Vous voyez les choses d'Equinox, non? Je suis tombé une fois, mais j'ai dit la prochaine fois, je ne tombe plus. Ils sont venus nous dire hier que Marc Brice sera au banc de touche avec le staff nommé par le ministère des Sports, que le staff de Ngambé, de l'Africa Foot, a été rejeté. Écoutez. Marc Brice sera accompagné sur le banc de touche des Lions de Notables par le staff nommé par les pouvoirs publics. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a annulé les nominations faites par la Fédération camerounaise de football. Un match de 90 minutes, je dirais seul. Oui. Donc voilà les deux équipes mélangées. Voilà ce que ça donne. Voilà les gars qui étaient au banc de touche avec Marc Brice. C'était ni le staff de Samuel Eto'o, ni le staff de Moustachou. Tous étaient aux tribunes, c'était tribune VIP là-bas. Oui, ils étaient aussi assis sur les chaises là, comme nous là. Ils regardaient aussi le match. Ils n'étaient pas différents de nous. Quand on était au gradin, on appelle ça quoi, je ne sais pas trop. Donc tous étaient assis là-bas derrière. Personne n'était au stade. Mais Equinox nous dit quoi? La première fois, ils sont venus nous dire que le selon colonel Mbankui, qui avait mis la pression sur le Ngambé, sur Samuel Eto'o, pour qu'il remette les maillots et les ballons. Ils disent ça en journée. Hein. Ils ont commencé à faire notre buzz dessus. On est supplié qu'à 20h. Les gars reviennent nous dire que c'était une erreur. Vraiment, on est désolé. Equinox, arrêtez ça. Bon, les gars, pour revenir à Marc Brice. Marc Brice, je pense que si le monsieur s'y arrive dans n'importe quel pays en Afrique, actuellement, il va s'en sortir. Parce que le Cameroun l'a tout montré. Marc Brice a dit lui-même dans sa vidéo, après sa conférence de presse, après le match, que les Lions n'ont pas besoin même d'un entraîneur. Oui. Parce que les gars sont d'abord les pros ailleurs, non? Ils ont juste besoin. Bon, ce que j'ai apprécié pour Marc Brice, c'est le classement d'hier. J'espère que le prochain match va encore refaire un bon classement comme hier. Pour ceux qui sont en train d'aller chanter les louanges de Marc Brice. Non, ce n'est pas Marc Brice qui entraîne les gars là. Ce n'est pas Marc Brice qui les a entraînés. Marc Brice est arrivé quand? Il a même eu le temps pour entraîner les Lions. Avec tous les problèmes que nous sommes en train de voir là, il n'a pas eu le temps pour entraîner les Lions. Donc on ne peut pas encore féliciter Marc Brice que non, c'est un bon. Je vois les gens dire que c'est le meilleur entraîneur au monde. Hé, hey, les Camerounais sont terribles. Marc Brice lui-même a reconnu que non, le gars n'a encore rien fait. Que les Lions sont des pros. Ils ont juste besoin de l'entente, de l'harmonie pour donner un beau spectacle, pour donner un beau football. Lui-même, il a dit ça hier. Donc, les gens qui chantent, il n'y a que Marc Brice. Non. Marc Brice, peut-être c'est au mondial qu'on va voir vraiment tes compétences. Mais le classement était top. Même tes remplacements, tout ça, c'est top. 4-1. Non. C'est à féliciter. Maintenant, je vais un peu vous présenter deux images qui m'ont fait D'abord, la première image ici. Dans cette image, on voit comment le Ngambé salue les gens à la tribune présidentielle. Salut, salut, salut. Il arrive sous Moustachou. On ne serre pas les mains, mon frère. On ne serre jamais. Ça, c'est la première image. La deuxième image, c'est quand les Lions marquent. Regardez comment le Ngambé applaudit. Le Ngambé applaudit. On connaît. Autrefois, quand c'est le Ngambé qui décidait de tout. Quand les Lions marquaient comme ça, ça veut tout sauter. Ouah, ils criaient. Yeah. Tous les 32 dans étaient dehors. Mais on voit seulement comment le Ngambé applaudit. Il est serein, il applaudit. Je ne veux pas commenter la vidéo, la paix est bien. Donc voilà les deux images qui nous ont un peu marqué hier pendant la première journée de Cameroun Cap 20. Les Lions, nous vous disons encore bravo. Vous savez, nous aimons seulement la victoire. Vous-même, vous savez. Dans le prochain match là, donnez-nous encore le bon spectacle comme hier. Entre temps, pour ceux qui chantent les louanges de Marc Brice, moi, je ne peux pas encore juger Marc Brice s'il est un bon coach ou pas. Non.
c'est au mondial. C'est à quoi on sera qualifié. C'est au mondial ou bien à la Coupe d'Afrique au Maroc. Quand je vais voir les compétences de Marc Brice. Marc Brice, si tu nous donnes la 6e étoile, ton nom va rester gravé à vie dans l'histoire du 237. Parce que tout le monde a vu comment tu as ouah pour être où tu es, papa. La vie, c'est la persévérance, les gars. Quels qu'en soient les obstacles que tu traverses dans ta vie, il faut persévérer. Il faut mouiller le maillot. Il faut, oui, rester toujours focus. C'est ce que Marc Brice nous enseigne. Donc les jeunes, même si tu traverses quel moment difficile dans ta vie, ne baisse pas la garde. Voilà ce que Marc Brice nous enseigne aujourd'hui. On ne baisse pas la garde. On force, on tient, ça chauffe, c'est dur. On tient, on supporte jusqu'au bout. Oui, c'est la fin qui justifie les moyens. Marc Brice, chapeau. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met en votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les mariés, le Didier avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.